Ésaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de Dieu doit être visible sur ta vie. Ce soir, ce verset est encore vrai pour toi, mon frère. Ce soir, ce verset est encore vrai pour toi, ma sœur. La parole de Dieu ne change pas. Elle est toujours la même et elle est parfaite. Dans les ténèbres de la maladie, des infirmités, des violences, de la méchanceté, de la stérilité, de la pauvreté, des échecs répétés, de l'instabilité, de tâtonnement, de retard, de toute forme de ténèbres, je déclare que sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Je déclare que là où il y avait la maladie, la guérison prend place dans ta vie. Que la santé divine soit ton partage au nom de Jésus. Que la force et la vitalité divine soient ton partage au nom de Jésus. L'esprit de résurrection redonne la vie à tout ce qui était mort dans ton corps au nom de Jésus. Je proclame que ton corps est en excellente santé. Je proclame que tous les membres de ton corps sont en excellente santé au nom de Jésus. Marche dans la santé divine, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Là où tu échouais sans cesse dans tes études, dans tes affaires, dans tes projets ou dans tes entreprises, je proclame que la réussite et le succès prennent place dans ta vie au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. Les échecs répétés quittent ta vie au nom de Jésus. Désormais, la réussite est ton partage. Désormais, le succès est ton partage au nom de Jésus. Tout ce que tu touches est béni et je proclame que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Je proclame pour toi, ma sœur, que la stérilité lâche prise et laisse place à la fécondité. La femme qu'on appelait stérile tiendra ses enfants dans ses bras. Je proclame que les difficultés, les blocages, tout ce qui t'empêchait d'enfanter, libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Celle qui était la risée de la famille et de son entourage sera appelée bienheureuse dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que tout ce qui t'avait empêché de vivre les joies du mariage quitte ta vie. Les chaînes du célibat tombent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu te marieras avec la bonne personne. Ton mariage est déjà béni au nom de Jésus. Ton foyer est déjà béni au nom de Jésus. Tes enfants sont déjà bénis au nom de Jésus. Et je proclame que le mariage est ton partage dans le nom puissant de Jésus.